avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, et de toutes mes frayeurs me délivre. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, Dieu écoute, et de toutes ses angoisses, il le sauve. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Venez, adorons-le. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fait briller la lumière de sa face. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Gloire à toi, Christ, qui nous montre la lumière. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Psaume 50.
Viens sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Viens sur nous ta miséricorde, comme sur toi, Seigneur, repose notre espoir. Pitié pour moi, Seigneur, en ta bonté, en ta tendresse, efface mon péché. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Quel est mon péché, moi, je commets, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul, j'ai péché, ce qui est mal, tes yeux, je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois, mauvais, je suis né, pécheur, ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crie pour moi que rire, restaure ma poitrine, l'esprit ferme. Ne me repousse jamais. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Ô pécheur, j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon sauveur, et ma langue est à la justice. Seigneur, prendrai aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice, c'est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira des présents sur ton autel. Rends-moi, ô Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles, amen. Viens sur nous. Psaume 56. Pitié pour moi, ô Dieu, pitié pour moi, en toi s'abrite mon âme. À l'ombre de tes ailes, je m'abrite, tant que soit passé le fléau. J'appelle le Dieu le Très-Haut, le Dieu qui a tout fait en moi. Dès les cieux, il envoie et me sauve, qui confonde celui qui m'assève. Mon âme est couchée parmi les lions, qui dévorent les fils des hommes. Leur dent une lance et des flèches, leur langue une épée acérée. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire.
Une trappe, ils sont tombés dedans. Mon cœur est prêt au lieu, mon cœur est prêt. Je veux chanter, je veux jouer pour toi, et réveille-toi ma gloire. Éveille-toi, récitale, que j'ai l'aurore. Je veux te louer chez les peuples, jouer pour toi dans les pays. Grand jusqu'au ciel ton amour, jusqu'au nu ta vérité. Ô Dieu, élève-toi sur les cieux, sur la terre ta gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Vienne sur nous ta miséricorde. Cantique de Jérémie, page 312. Si nos péchés parlent contre nous, Seigneur, Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Oui, souvent nous sommes révoltés, nous avons péché contre toi. Tu es le Seigneur, l'espoir d'Israël, son sauveur. Pourquoi sembles-tu incapable de sauver? Tu es au milieu de nous, Seigneur. On nous appelle de ton nom, ne nous délaisse pas. Les larmes coulent de mes yeux, sans trêve de jour et de nuit. Un grand désastre frappe la fille de mon peuple. Dans la campagne, je vois les victimes du glaive. Dans la ville, ce sont les tourments de la faim. Prêtres et prophètes parcourent le pays. Ils ne comprennent plus. Aurais-tu vraiment repoussé Judas? Ton âme est-elle dégoûtée de Sion? Pourquoi nous frapper? Seigneur, nous connaissons notre malice. Oui, nous avons péché contre toi. Mais pour l'honneur de ton nom, ne nous rejette pas. Ne romps pas ton alliance avec nous. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ, Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 146. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Nous étions morts et nous sommes revenus à la vie. Nous étions perdus et tu nous as retrouvés. Louez le Seigneur, il est bon de chanter. Fêtez notre Dieu, douce la louange. Le Seigneur qui bâtit Jérusalem, qu'assemble les dévotés d'Israël. Lui qui guérit les cœurs brisés,
lui qui bande leurs blessures, qui ôte l'ombre des étoiles. Il appelle chacune à son nom. Il est grand, notre maître tout-puissant. En lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les armées. Jusqu'à terre il abaisse les impies. Entonnez pour le Seigneur l'action de grâce. Jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui dort les cieux des nuées. Qui prépare fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme, qui dispense au bétail et sa patrie, au petit du corbeau qui crie, ni la vigueur du cheval ne lui agrée, ni les charrettes de l'homme ne lui plaît. Dieu se plaît en ceux qui le créent, en ceux qui espèrent son amour. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles et les siècles. Amen. Nous étions morts. De saint Irénée au IIe siècle. Dieu planta la vigne du genre humain par le modelage d'Adam et l'élection des patriarches. Puis il la confia à des vignerons par le don de la loi mosaïque. Il l'entoura d'une clôture, c'est-à-dire circonscrivit la terre qu'ils auraient à cultiver. Il bâtit une tour, c'est-à-dire choisit Jérusalem. Et il leur envoya des prophètes avant l'exil de Babylone, puis après l'exil, d'autres encore, en plus grand nombre que les premiers, pour réclamer les fruits et pour leur dire « Voici ce que dit le Seigneur, redressez vos voies et vos habitudes de vie. Jugez avec justice, pratiquez la piété et la miséricorde chacun envers son frère, n'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et que personne d'entre vous ne conserve dans son cœur le souvenir de la méchanceté de son frère. » Voilà par quelle prédication les prophètes réclamaient le fruit de la justice. Mais, comme ceux-ci demeuraient incrédules, il leur envoya finalement son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, que ces mauvais ouvriers tuèrent et jetèrent hors de la vigne. Aussi Dieu a-t-il confié celle-ci, non plus circonscrite, mais étendue au monde entier, à d'autres vignerons qui lui en remettent les fruits en leur temps. La tour de l'élection se dresse partout dans son éclat, car partout resplendit l'Église. C'est donc un seul et même Dieu Père qui a planté la vigne, fait sortir le peuple, envoyé les prophètes, envoyé son Fils et confié sa vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettent les fruits en leur temps. C'est pourquoi le Seigneur disait à ses disciples, pour faire de nous de bons ouvriers, « Prenez garde à vous-même et veillez en tout temps, que vos reins soient donc sains et vos lampes allumées, et vous soyez semblables à des hommes qui attendent leur maître. »
Jérusalem, Jérusalem, toi que tu le prophètes, tu n'as pas reconnu le temps de ta visite. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple : Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Implanta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis, il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers, mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant « Ils respecteront mon fils ». Mais, voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, nous aurons son héritage. » Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? On lui répond, « Ces misérables, il les fera périr misérablement. » Il louera la vigne à d'autres vignerons qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. » En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter,
ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il suscite une force de salut dans la maison de David son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ce d'autrefois ses prophètes. Nous arrache à l'oppresseur en main de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. J'ai entendu ta grâce.
comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, purifie-nous au long de ce carême pour que nous parvenions avec un cœur limpide aux fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.